Bonjour à tous, c'est Choupi et aujourd'hui pour la première fois je me retrouve toute seule avec Arnag. Salut tout le monde. Effectivement, nous en avons eu marre de Tommy, du coup on l'a pendu par les pieds. Au secours. On attend vos commentaires pour savoir si vous souhaitez qu'on le garde en vie ou pas. Parce qu'après tout, il sert pas à grand chose dans la team. Décroche-moi, Arnag. On peut aussi vous faire une petite vidéo de sa torture. Y a pas de souci, mais faut nous donner un peu d'argent, hein. Laissez-moi tranquille. Pour 10 euros, on lui chatouille les pieds, il aime bien ça en plus. Enfin bref. Bon allez, présente le gameplay, oui, moi je vais aller le torturer un petit peu là. Hein. Voilà. Parce que bon, ça fait longtemps qu'il a pas reçu la fessée. Fais-le bien pour moi. Comme vous avez pu l'entendre, Arnag est parti. Alors, je présente. Laissez-moi présenter quand même mon gameplay là. Enfin, c'est pas moi, mais bon. C'est un gameplay de Tommy. Arrête! Maman, je suis en train de me foutre là. Tiens. N'importe quoi, ces deux-là. Je désespère. Enfin bref, c'est Tommy qui est à la PSG1 ACOG sur Firing Range, donc vous l'avez bien reconnu, Black Ops. J'ai pas de suivi encore la vidéo parce que depuis tout à l'heure ils font des conneries derrière moi. Devant. Ah oui, c'est celui où tu fais une. Ah oui. Comme vous allez le voir, Tommy va faire une triple feed. J'étais au courant de ça parce que j'étais en live derrière lui en train de regarder pendant qu'il faisait cette vidéo. Donc, tu fais une bonne partie. Me revoilà. Donc c'est bon, je l'ai égorgé. Bah non, on avait fait voter les gens. Je l'ai jeté à la mer. Ah oui, bon, je vous annonce pas la fin maintenant alors. Oubliez ça, je vous dirai ce qui s'est passé la semaine prochaine. Après la pub. Bon voilà, donc comme vous pouvez le voir, Néocode vient de se connecter, dépêchez-vous de l'inviter. Surtout que ce gameplay est filmé en live, hein. Évidemment. Comme toujours. Puisque Tommy joue en étant torturé, évidemment. Et il s'en sort plutôt bien. C'est vrai, enfin bon, il vient de mourir. Mais oui. Il a quand même débloqué son cobra, ce qui est pas trop mal. Hein, c'est quand même dur d'arriver à 7 kills. Allez, Choupi. Ah oui, mais non, c'est parce qu'en fait... Non, mais les gens ont envie de t'entendre un petit peu. Oui, mais moi, je sais pas grand chose à dire. Non, je rigole. Raconte ta vie. Oh, bah, je vais raconter ma vie. Alors, j'espère que depuis la rentrée, ça va bien, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas commenté de gameplay. Alors, voilà. Je sais que c'est la fin des vacances et que vous attendez tous Black Ops 2 avec impatience, parce que... D'ailleurs, justement, si en nous parlant de... comme Arnag et Tommy, c'est désespérant. Voilà. Non, c'est pas vrai. Tu peux parler. Mais justement, en parlant de Black Ops 2, dis-nous un peu ce que t'attends de ce jeu. Toi. Moi. Oui, mis à part rien. Bah oui, essaye d'être. Bah, techniquement... De toute façon, ça sera posté après, donc... Techniquement, je ne devrais pas l'avoir. Parce que, comme je joue sur la play de mon frère et qu'il ne compte pas acheter Black Ops, parce qu'il n'a pas... adopté le premier, on va dire. Parce que lui, c'est plutôt MW3 et MW2. Bon, c'est toi MW2 parce qu'il a 40 jours de jeu, donc... Ouais, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que... Si t'avais... admettons que tu puisses jouer beaucoup à Black Ops 2, que tu puisses l'avoir. Qu'est-ce que t'attendrais qu'il y ait de nouveau un peu dans ce jeu, quoi? Bah, je sais pas, en fait, si j'aimerais bien, parce que j'ai pas aimé beaucoup de jeux avant Black Ops. Donc je crois que je vais rester toute ma vie sur le même jeu. Mais c'est quand même Black Ops 2! C'est incroyable! Enfin, mais tu sais, je suis une fille malgré tout, quoi. Et alors? Bah, j'ai aimé Black Ops, mais j'aimerais peut-être pas forcément Black Ops 2, même s'il lui ressemble. Mais si. Parce que Black Ops, j'ai bien accroché avec les maps, mais les autres jeux de guerre, c'est vrai que les maps de Black Ops ont une texture particulière par rapport aux autres Call of. C'est surtout ça qui est plaisant. Après, c'est sûr que ça va changer avec Black Ops 2, qui sera quand même un petit peu plus proche de MW3. Mais ils sont quand même fidèles à eux-mêmes, hein, je trouve. Donc moi, je serais pas déçu. Moi, je pense que c'est ça qui me fait peur, en fait. Comme j'ai pas trop aimé MW3 parce que je trouve ça trop futuriste. MW3? Ouais. Mon dieu. Ne joue pas à Black Ops, ça, là. Ben, c'est pour ça. Mais si, ça va aller. Vous allez voir, elle va adorer. Je commenterai les gameplays des autres. Comme je l'aurais pas. Non, je rigole. Oh, je me transforme en vous, ça craint. Parce que moi, je m'en fiche totalement de l'avoir, mais... Allez, deux loulous, là, si vous voyez. Oh là là, ça prend dedans.
Ils sont même allés à Micromania pour demander la voir 3 jours avant en pleurnichant. Bon, je crois que Choupi devrait arrêter de parler. C'est la vérité, je le dis. C'est parce qu'il supporte pas que je parle. Non, non, on est allé se renseigner un peu pour savoir si vraiment ils allaient pas le sortir un peu avant, étant donné que à Paris, plusieurs personnes l'ont déjà et que certains Français l'ont déjà depuis environ une semaine et demie. Enfin, ils l'ont une semaine et demie avant sa sortie. Donc, je trouve que c'est quand même un peu abusé, étant donné que le jeu est censé sortir en même temps pour tout le monde. Il donc est bon, jaloux. C'est un peu n'importe quoi. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Tom Tom il s'est fait infecter là. Donc apparemment Tommy... Ah là il va faire une double. Ah oh, je suis trop balèze. Pas mal. Je me souvenais, il avait jeté au pif, il avait eu deux personnes. Pas mal, pas mal. C'est comme hier dans MW3, il se met derrière un mur, il tire, voilà bon. Je sais pas comment il fait ça mais... C'est Tom. Non c'était MW2 en plus. Il est trop fort. On a eu de la chance parce qu'en plus il filmait avec l'HDPVR, sinon il l'aurait pas eu. Ah, on arrive déjà bientôt à la fin et c'est passé vite. C'est William, ça a fait passer le temps trop vite. Ouais, je sais, je sais. Il est très modeste aussi. Eh ben oui. Oui, je sais. Qui va faire le dernier kill? C'est pas Tommy. C'est Romain Bécot. Bako. Bako. Beko. Ah, Tom, il fait un ratio de 20. 22-10, c'est pas mal. Oh, c'est déjà fini. Bon, bah, on va vous laisser. Tu dis au revoir. Au revoir, tout le monde. Au revoir, bonne soirée.